Je me suis affichée hier. J'ai relayé une info que j'avais lue sur les réseaux. En fait, c'était un gros fake. À ton avis, comment le cerveau distingue-t-il le vrai du faux? Parfois, cette distinction est évidente, mais il lui arrive aussi de se tromper. C'est à cause de certaines croyances et mécanismes qui influencent notre perception du monde. On appelle cela des biais. Ils donnent l'illusion qu'une information fausse est vraie. Par exemple, tu vas plus facilement croire, sans le remettre en question, ce que dit ton prof que ce que dit un étudiant. Il s'agit là du biais d'autorité. En reparcourant l'histoire ou même l'actualité, on voit les désastres que cela peut causer quand certaines figures d'autorité mal intentionnées diffusent des informations fausses en vue de manipuler l'opinion. Un autre biais, par exemple, tu as peut-être remarqué que quand tu es arrivé au collège, puis au lycée, puis dans la fac ou dans ton école, dans toutes ces situations nouvelles, tu as peut-être un peu imité spontanément le comportement des autres. En fait, tu fais ça depuis que tu es tout petit, car pour apprendre de nouvelles compétences et pour s'adapter, le cerveau spontanément utilise avant tout l'imitation. Il a des neurones miroirs qui captent les agirs de l'autre, permettant ensuite de les mettre en œuvre quasi automatiquement et un peu malgré toi. Ces mêmes neurones font que tu vas parfois attraper certains tics de tes copains ou de personnes de ton entourage. Ce fonctionnement très ancré chez les humains participe au biais de conformisme. Il nous pousse à agir comme les autres, sans passer par la case jugement. Pour ne pas être pris dans ces pièges que nous joue notre cerveau, il convient de s'en défendre en mobilisant l'inhibition. J'inhibe un comportement automatique ou réflexe. J'inhibe un biais cognitif qui me piège pour activer mon raisonnement et prendre les bonnes décisions. Cela n'est pas si simple, c'est surtout très coûteux sur le plan cognitif, ça demande des efforts. Pour y arriver, il faut que tu continues à développer ton système d'alerte qui s'est construit grâce à l'aide de tes parents ou de tes enseignants lorsqu'ils t'ont appris à ne pas te précipiter pour la résolution d'une tâche ou d'un problème. Ce système est également enrichi par tes apprentissages. Par exemple, être sensibilisé à la question des fake news te mettra davantage en alerte sur la véracité d'une information. À ce sujet, voici quelques questions à te poser pour adopter un regard critique et ne pas tomber dans le panneau. Qui est la source de l'information? Un journal sérieux? Un compte privé sur les réseaux sociaux? Ou encore un site d'opinion? Sur quoi se base ce qui est avancé? Et s'il s'agit de faits scientifiques, la référence et l'auteur de l'étude sont-ils cités? S'il s'agit d'une vidéo ou d'une image, y a-t-il des incohérences, par exemple, entre le lieu annoncé et les éléments du décor, qui pourraient faire penser qu'il s'agit d'un trucage? Si tu veux approfondir cette question, je t'invite à consulter Internet en activant ton esprit critique, bien sûr. Tu y trouveras plusieurs articles et outils relatifs aux fake news et au décryptage des informations.